Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo sur le décès près du corps. Aujourd'hui je vais continuer, faire on va dire la deuxième partie de cette série de vidéos sur les EDC, où je vais vous expliquer deux petites pochettes, pourquoi et comment je les ai fait. Et donc avant ça, je vais déjà vous remercier, vous les abonnés, d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur ma vidéo, sur ma chaîne, parce que franchement là j'ai vu qu'on avait dépassé les 300 abonnés, ça me fait super plaisir. Je pensais pas en arriver là, alors ça peut paraître peu pour certains, pour moi c'est déjà beaucoup. Et je pensais pas arriver à 300 abonnés, surtout que là dernièrement j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos, la vie professionnelle a pris le dessus, donc on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut, hein, comme je dis souvent. Donc merci encore à vous de vous abonner, donc continuez à vous abonner et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Donc pour fermer cette petite parenthèse et en revenir à mes pochettes, donc moi en fait je fonctionne sur deux principes. Le premier, c'est la distance à laquelle je m'éloigne de mon domicile, donc plus je vais m'éloigner de mon domicile, plus ma pochette sera importante, bien entendu dans la limite du raisonnable. Je vais pas faire des pochettes de 50 kg, hein, ça c'est clair, mais j'ai remarqué plus je m'éloignais, plus j'avais besoin d'objets, hein, donc forcément mon EDC sera différent si je suis à 30 km de chez moi ou que je suis à 400 ou 500 km de chez moi. Donc ces pochettes là je les ai fait aussi, j'en ai créé une pour l'été et j'en ai fait une pour l'hiver. Donc avant j'avais qu'une seule pochette que je me servais pour sortir en ville et je me suis aperçu que ben, ça ne suffisait pas. Donc en été il se trouve que ben, quand on est en été on s'habille légèrement et tout ce qui est item près du corps, et ben, ça devient tout de suite un problème puisque on n'a pas beaucoup de poches. Enfin moi en ce qui me concerne j'ai pas beaucoup de poches, donc pour pallier à ce manque de place je me suis donc acheté une pochette. Je voulais pas qu'elle soit trop importante, qu'elle puisse mettre tous les objets facilement accessibles, hein, parce que j'ai pas envie de fouiller pendant une heure pour trouver quelque chose, donc je voulais une petite pochette qui soit qui reste assez minimaliste et qui puisse me permettre. Donc je me suis acheté cette pochette-ci, donc je l'ai acheté une quarantaine d'euros à peu près. Ah, c'est une pochette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps dans un magasin de bagagerie. Alors on n'est pas sur du 1000 deniers, on n'est pas sur de l'YKK, hein, c'est pas de la qualité Maxpedition, hein, néanmoins ça reste quand même du tissu assez solide, il est imperméable, les bords sont couverts de cuir, donc c'est quand même déjà quelque chose. Aussi la lanière, c'est un tissu avec une maille très fine, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à de la ceinture de sécurité. Pour parler basiquement, la marque c'est Hexagona, donc je sais pas si peut-être ça pourra parler à certains, moi je connaissais pas avant, donc voilà. Et cette pochette là franchement elle est vraiment très sympa, très pratique, et surtout elle répond à une exigence que je voulais en particulier, à savoir qu'il me fallait une poche devant pour pouvoir mettre mon portable, parce que j'ai un portable qui est assez grand et pouvoir y accéder si par exemple mon oreillette Bluetooth venait à tomber en panne, que je puisse sortir le téléphone et décrocher un appel assez rapidement, pas être obligé d'ouvrir la poche, fouiller dans le sac, prendre le portable et là vous avez loupé l'appel. Donc il me fallait, comme vous allez le voir, hein, ici, là j'ai une poche devant qui ferme avec un système magnétique et qui me permet d'accéder rapidement à mon portable qui se trouve ici. À côté de ça, j'ai mis ici, c'est une petite lampe, hein, une lampe à stylo, vous pouvez le voir, fonctionne très bien. Ici j'ai mis du gel hydroalcoolique, alors ça c'est quand je vais dans des toilettes publiques, je le pulvérise sur le bord des toilettes, un petit coup de papier toilette dessus, on attend entre 15 et 30 secondes hein, pour que ça agisse bien, et avec ça vous avez vos toilettes qui sont parfaitement désinfectées, puisque comme vous savez les toilettes publiques c'est pas souvent très propre. Donc bien sûr on n'a pas tout le temps d'attendre, hein. Des fois on est pressé malheureusement si je puis dire, et ben, quand on peut moi j'utilise ça. Ici c'est un stylo un peu particulier, donc j'ai fait une vidéo dessus, je ne vais pas revenir dessus sinon la vidéo va faire 30 minutes, et donc voilà, donc je mettrai le lien de cet article là en dessous dans ma vidéo. Alors, par contre si voilà. Ensuite, donc ça c'était le premier compartiment. Ici vous avez donc un seul compartiment principal où c'est qu'à l'intérieur je mets tous les objets que j'ai besoin quand je vais en ville ou que je me déplace pas trop loin de chez moi. Donc à savoir bien entendu le porte-monnaie, très pratique. Ici on a le portefeuille, donc moi c'est le Maxpedition, pareil j'ai fait une petite vidéo dessus, c'est vraiment un très bon portefeuille, hein. Je regrette pas du tout de l'avoir, ça fait quelques temps que je l'ai, vraiment rien à dire. Ici j'ai une pochette avec des éléments en backup on va dire, et quelques éléments qui peuvent être utiles aux besoins. Donc c'est une petite pochette qui a l'avantage, c'est que je peux très bien la trimballer indépendamment de celle-ci, c'est-à-dire si je veux pas, je veux juste sortir, faire une petite sortie en ville, je veux pas m'embêter avec cette pochette-là, je sors la pochette-là, et là j'ai le minimum, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est la micro pocket organizer, donc j'ai déjà fait une petite vidéo dessus, pareil je mettrai le lien en dessous. Dedans je vais retrouver, je vais ouvrir brièvement, vous voyez j'ai donc une petite lampe en backup, une petite pince avec qui fait couteau, briquet, ici le petit porte-monnaie de chez True Utility, clé USB, voilà donc vraiment ce qu'il faut quand vous allez vous balader en ville. Ensuite, ici, on va retrouver des bonbons, donc c'est des chewing-gums. Et ici, le porte-carte. Alors, le porte-carte en aluminium devient de plus en plus nécessaire, si je puis dire, par les temps qui courent, puisque moi, dernièrement, j'ai fait le renouvellement de mes cartes bleues. Hein, mes cartes bleues sont arrivées en date d'expiration, et on m'a renvoyé des cartes bleues avec le système sans contact. Donc je suis pas trop fan de système parce que il existe des gens mal intentionnés qui ont des boîtiers qui vous permettent juste en passant à côté de vous de récupérer toutes vos données bancaires et après pouvoir les utiliser afin de faire quelques petites commandes au profit de votre compte bancaire. Donc c'est pas très pratique. Donc avec un porte-carte comme ça, vous limitez, si je puis dire, la distance de passage, hein, puisque l'aluminium fait office un peu de cage de Faraday et il empêchera donc les ondes de passer, mais pas assez, on va dire, suffisamment, hein. C'est efficace mais c'est pas je veux dire aussi efficace que si vous auriez un portefeuille spécifique pour ça. Il existe par exemple chez Maxpedition justement un portefeuille, Green Spider en a parlé dans une vidéo, je mettrai pareil le lien en dessous, spécifique pour empêcher justement ce genre de problème. Donc voilà, donc ça c'est la pochette qui me sert pour l'été. Donc à côté de ça, j'avais une pochette que je me servais déjà, que j'ai refait, on va dire. C'est celle-ci qui est l'EDC Pocket Organizer de chez Maxpedition. Alors pourquoi celle-là je l'utilise plus en hiver? Parce que justement c'est du mille-denier, elle est totalement imperméable, totalement étanche, hein, en hiver c'est ce qu'il faut. Derrière je l'avais modifiée donc avec deux mousquetons et de la paracorde pour pouvoir y mettre une lanière. Hein, et le problème c'est que dans cette pochette là je peux pas mettre mon portefeuille, je peux pas mettre mon porte-carte, je peux pas mettre mon téléphone, et, mais l'avantage c'est qu'en hiver comme vous êtes mieux habillé, vous avez forcément votre téléphone dans votre poche, vous pouvez mettre votre portefeuille, etc. Donc cette pochette là j'utilise plus en hiver. Alors il y a bien entendu on retrouve les mêmes choses que dans celle-ci, hein, je vais l'ouvrir, ça vous allez voir par vous-même, hein, là donc on retrouve une lampe, un stylo, un Sharpie, du gel hydroalcoolique, un briquet et aussi autre chose qu'on retrouve donc ici, un petit câble USB pour recharger parce que votre téléphone portable en hiver la batterie tiendra moins bien qu'en été, hein, question de température. Donc avoir un petit câble sur soi pour pouvoir recharger son portable si vous allez chez un ami, c'est toujours pratique. Aussi donc là une petite pince Leatherman, là c'est la square PS4, vraiment une très bonne petite pince qui coupe et qui fait bien son boulot. toujours bon, dans la limite du raisonnable bien entendu, hein, parce que c'est pas de la, on n'est pas sur une Leatherman Wave ou du Surge, hein, on est sur un petit modèle. Donc cette pochette là, il y a une chose aussi que j'ai pas, c'est du baume pour les lèvres, parce que le baume pour les lèvres, bah, en été avec le chaud ça tient pas le choc, et donc moi je change tous les ans, je rachète du baume pour les lèvres, ce qui peut paraître normal. Donc voilà, une petite clé USB aussi, j'oubliais, avec à l'intérieur toutes les informations, donc ce qui sert on va dire pour le quotidien. Donc et aussi à l'intérieur j'ai mis une photocopie de tous mes papiers d'identité, carte vitale, carte d'identité et aussi permis de conduire, parce que quand vous perdez vos papiers et qu'en plus vous n'avez rien pour pouvoir montrer, il se trouve que les services publics sont déjà lents à la base, alors si en plus vous avez rien, là c'est encore pire, et si vous pouvez pas vous justifier, alors là c'est la fin du monde. Donc pour pallier à ce problème, j'ai mis à l'intérieur toutes mes données, c'est sécurisé bien entendu et crypté, donc ça me permet en cas de perte ou de vol d'avoir les données. Aussi donc quoi dire d'autre, donc cette pochette là franchement elle est vraiment bien, ça fait quelques temps que j'utilise Maxpedition, c'est vraiment une très bonne qualité. Moi au début j'étais un peu sceptique, mais franchement avec le temps je m'aperçois que ça tient le choc, il n'y a rien à dire, hein. Ça reste vraiment de la très bonne pochette. Donc cette pochette là moi je l'utilise en hiver, je l'ai utilisée l'hiver dernier. Je la réutiliserai cet hiver et je pense qu'elle va me faire quelques temps. Donc ça peut paraître un peu cher au départ, ça vaut celle-ci je crois qu'elle vaut pas tout à fait 30 €, mais faut prendre ça comme un investissement parce que Maxpedition, il y a vraiment de la qualité quoi. Voilà, donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pas été trop long et j'espère que je vous donnerai des idées et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu.